Jour difficile pour Romain Bardet. Alors que les avant-postes se mardient leur deuxième étape du Tour de Catalogne, qui s'est terminée par Valté, au sommet d'une longue ascension 15 km, le Français a déçu quelque peu, prenant une 21e place lointaine, à 1,32 du trio Julio Ciccone, Primoz Roglic, Remco Evenepoel. Étape rapide Sudax engrave la ligne d'arrivée, mais classification et le temps concédé ne sont certainement pas ceux qu'il espérait avant cette journée. Après un combat difficile sur la montée finale, Romain Bardet nous mène à la maison pour aujourd'hui. Plus de chances de venir dans les prochains jours. Yval, 2023, j'espère qu'il y aura des jours meilleurs à venir, c'est un peu décevant personnellement à l'occasion de la première arrivée au sommet du Tour de Catalogne. Les gars ont pris soin de moi, mais dans la montée, j'ai eu des problèmes et je suis allé tôt. Cependant, j'ai combattu complètement à la ligne d'arrivée. J'espère qu'il y aura des jours meilleurs à venir, et nous battrons collectivement pour montrer pendant les étapes à venir, déclare Romain Bardet sur le site de formation néerlandais. Après deux jours de course, le 7e récent Paris-Nice pointe à la 18e place dans la classification générale, 1,48 par Primoz Roglic.